Monsieur le maire de Paris, chers amis, en cette année de la foi, nos conférences de carême veulent éclairer l'acte de croire. Croire, c'est la conviction que l'archevêque de Paris et ses vicaires généraux veulent partager avec vous. Croire est une chance pour tous. Nous voulons dire cela comme une parole de paix, de communion, de réconciliation même, dans un monde où beaucoup ne croient pas, parce qu'ils ne veulent pas croire ou bien parce qu'ils n'osent pas croire, dans un monde aussi où beaucoup croient, mais avec des compréhensions différentes de Dieu, de ses exigences, de ses dons, de ses attentes, et où certains peuvent craindre que ces différences ne puissent que se transformer en motif de haine. Croire en Dieu est un acte humain. Nous y avons réfléchi le premier dimanche de ce carême. C'est un acte qui mobilise les facultés de l'homme, son intelligence, sa volonté, sa mémoire et toutes les puissances de la sensibilité. Mais cet acte humain est aussi, et d'abord, un acte qui nous est ouvert par un don de Dieu. Tout à la fois, donc, croire en Dieu unifie et approfondit toutes les possibilités de notre être, et en même temps, cet acte nous dépasse, venant de plus grand que nous et nous conduisant au-delà de nous-mêmes. Il en résulte que personne ne peut se targuer de sa foi comme étant sa propriété, sa conquête, le résultat de ses mérites. C'est pourquoi croire en Dieu fait entrer le croyant dans une communion renouvelée avec les autres hommes. Croire en Dieu n'est pas s'accrocher à ses opinions propres, mais s'ouvrir à ce que les autres ont pu découvrir ou recevoir de Dieu et apporter à cette communion son propre élan et se laisser porter aussi par les autres. Nous, catholiques, nous reconnaissons que cette communion prend forme concrète dans l'Église, l'Église sainte qui traverse les âges, constituée de tous ceux qui sont entrés de près ou de loin dans la foi en acte. Dimanche dernier, il nous a été donné de comprendre à l'école du prophète Isaïe et de quelques saints que croire en Dieu, c'est indissociablement se découvrir lié à toute sa génération, tissé de ses grandeurs, de ses horreurs et surtout de ses médiocrités. Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, s'exclamait le prophète. Et c'est aussi accepter d'être envoyé à ses contemporains, non pour les juger, mais pour porter au milieu d'eux la promesse de Dieu. Quelle est cette promesse? Que toute existence humaine a du prix, a du poids, même en ses actes les plus humbles. Il vaut donc la peine de s'engager de toute sa liberté pour vivre, c'est-à-dire se dresser, résister et avancer devant Dieu et devant les hommes. Cet après-midi, Mgr Michel Aupetit, qui sera consacré évêque dans cette cathédrale le 19 avril prochain et qui deviendra alors évêque auxiliaire de Paris, Mgr Aupetit va nous aider à prendre en compte le doute. Car la foi, si belle en soient les promesses, peut-elle être toujours et en tous une force inflexible? L'acte de croire en Dieu pour être un acte humain, un acte humanisant, n'impliquerait-il pas une certaine dose de prise de distance, quelques places laissées au travail de l'intelligence et aux précautions du cœur? En exprimant ma gratitude à France Culture, qui accompagne ces conférences depuis tant de décennies, je salue ceux qui nous écoutent par son canal. Je salue aussi les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF et les téléspectateurs de la télévision catholique KTO et vous tous, bien sûr, chers amis qui êtes rassemblés dans cette nef. Le cardinal 23 confie à votre prière ou à votre attention le conclave qui s'ouvrira mardi après-midi à Rome. En son nom, je vous remercie d'écouter notre parole. La présence du maire de Paris, fidèle chaque année à ce rendez-vous, est un stimulant pour que ces conférences, tout en nourrissant les catholiques dans leur marche vers Pâques,
contribue à la réflexion des habitants de notre ville et de notre pays sur notre commune aventure humaine. Nous avons tous tout à gagner à recevoir les uns des et des autres les aliments qui peuvent nous fortifier. Monsieur le maire, merci pour votre présence. Soyez le bienvenu ici. Et, Monseigneur, cher Michel, merci déjà pour la réflexion que vous allez nous partager. Croire et douter, voici donc la conférence qu'il m'a été donnée en partage pour cette année de la foi. Si vous le voulez bien, je partirai de trois exemples. En 1996, le journaliste Noël Coppin publia un livre qui eut un retentissement significatif. Son titre, « Je doute, donc je crois ». Ce livre faisait suite à la tragédie du Rwanda et manifestait l'incompréhension du croyant face à ce génocide. Les questions que posait l'auteur sont celles, je le cite, « du silence de Dieu dans ce silence de mort » et de l'éternelle confrontation de la foi en un Dieu de bonté avec le problème du mal. Il concluait que sa réflexion sur ce drame ne l'avait pas détourné de la foi, mais qu'il lui semblait que la foi avait besoin pour grandir d'être ébranlée par le doute. Deux conclusions donc pouvaient être tirées de ce livre. La première, c'est que la foi n'est pas un état stable. Elle n'est pas statique, elle est dynamique. La seconde, que le dynamisme de la foi est suscité par le doute. Bien des auteurs après lui reprendront ce thème et iront jusqu'à promouvoir le doute comme nécessaire à la pureté de la foi. Le second exemple m'a été donné le 22 juillet 2012, jour de la commémoration de la rafle au Vélodrome d'hiver, où étaient présents le président de la République et son gouvernement et un très grand nombre de personnalités juives. L'une d'entre elles, responsable d'associations de déportés, elle-même rescapée d'un camp de la mort, m'a longuement entretenu sur la perte de sa foi. Voilà ce qu'il me disait. « Je ne crois plus en Dieu, car Dieu nous a abandonnés. » Ce sentiment de l'absence de Dieu au cœur des souffrances humaines peut conduire à une attitude différente de la précédente. C'est celle de la perte de la confiance en Dieu. Je prendrai enfin un troisième exemple pour illustrer mon propos. Je reçois chaque année quelques centaines de lettres de jeunes adolescents que je vais confirmer au nom de l'archevêque de Paris. Souvent, dans leurs épîtres, revient une inquiétude. Quand j'étais enfant, j'avais totalement confiance en Dieu et en Jésus-Christ venu pour nous sauver. Maintenant, j'ai des doutes. Au cours de l'entretien que j'ai avec eux, quand je les rencontre ensuite, il apparaît clairement que ce qu'ils nomment le doute consiste à se poser de nombreuses questions, en particulier sur la difficile conciliation entre ce qu'ils apprennent à l'école sur le plan scientifique et le contenu de ce qui est enseigné dans le catéchisme. Par exemple, le fait que Dieu soit créateur et la description de la théorie de l'évolution basée sur la sélection naturelle. Ce rapport entre foi et raison amène à poser la question entre la crédibilité que donne la raison humaine et la foi qui est de l'ordre d'une révélation donnée par Dieu à cette même intelligence humaine. Ces trois exemples nous montrent la complexité de la question posée. Il va nous falloir réfléchir sur la définition et l'articulation de ces quatre termes. La crédibilité, c'est-à-dire le fait de croire, la foi, le doute et le questionnement légitime de l'intelligence. Commençons par croire. Qu'est-ce qui me permet de croire quelque chose ? Il s'agit bien de croire quelque chose. Qu'est-ce qui permet à l'intelligence humaine d'accorder du crédit à une affirmation, à une observation, à une sensation ou à un sentiment? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord explorer les voies de la connaissance humaine.
c'est d'abord par la perception sensible que l'être humain connaît. La connaissance immédiate qu'il partage avec les animaux, ou la plupart d'entre eux, lui permet de voir, d'entendre, de sentir, de toucher, de goûter. Le cerveau, qui est l'organe de la connaissance, entre en contact avec l'extérieur par son corps. Celui-ci lui permet d'agir en déterminant son action. Le corps, notre corps, est immergé dans un champ de forces physiques et en contact avec des réalités matérielles, inertes ou organiques particulières. C'est ainsi que les ondes lumineuses sont captées par la rétine, les ondes sonores par la cochlée. Les forces mécaniques de pression, de frottement et les radiations thermiques par les récepteurs situés dans la peau. En outre, l'olfaction et le goût répondent à des capteurs sensibles à la forme de certaines molécules. Les organes des sens ont pour fonction de transformer les variations physiques et chimiques en impulsions nerveuses qui seront utilisées par le cerveau pour reconstruire le monde environnant, l'interpréter et lui donner son sens. Mais l'expérience sensible nous fait entrer en relation avec un objet singulier. Et c'est le raisonnement par induction qui permet de passer du particulier au général. La vue et le toucher nous donnent de connaître cette chaise-là. Mais c'est l'intelligence inductive qui va me permettre, en toutes circonstances, de reconnaître une chaise pour ce qu'elle est, indépendamment de sa forme particulière. C'est ainsi, par exemple, bien que la cathèdre qui est derrière moi, qui est la chaise du cardinal, eh bien, c'est une chaise de la même façon qu'il y a des chaises ici, même si leur destination est différente, puisque là, il s'agit effectivement de s'asseoir pour enseigner et là, de s'asseoir pour recevoir. Autre exemple, si je vois un homme ou plusieurs ensembles, je pourrais en tirer le concept d'humanité, indépendamment de la taille, de la couleur de la peau ou du sexe. Une des fonctions du cerveau est donc d'extraire l'intelligible du sensible en nous permettant d'entrer dans la connaissance de notions universelles. Et c'est par l'abstraction que l'on va appréhender l'universel dans le particulier. Particulier connu par la sensibilité et l'universel par le raisonnement logique. C'est la possibilité, en effet, de donner une définition ou la définition d'une chose qui permet de saisir son essence, c'est-à-dire ce qu'elle est, tout simplement. Et c'est toute la différence entre percevoir et comprendre. Maintenant, le savoir. Pour pouvoir dire « je crois », pour pouvoir dire « je sais », que me faut-il ? L'expérience sensible, je viens de le dire, nous met en rapport avec ce qui nous entoure et nous donne l'expérience d'un objet singulier à partir duquel il est possible à l'intelligence de définir cet objet. L'ensemble de ces expériences est stocké dans la mémoire, dont le contenu peut être accessible de manière consciente, rapporté et écrit par le langage. Voilà pourquoi cette mémoire est qualifiée de mémoire déclarative. Cette mémoire déclarative est classiquement divisée en deux champs. La mémoire sémantique, qui contient les connaissances de type culturel, définitions, symboles, concepts, règles. Elle permet la compréhension et l'expression par le langage. Elle regroupe les connaissances historiques, géographiques, scientifiques, techniques, acquises tout au long de la vie. Ces connaissances sont en rapport avec le monde extérieur, son organisation et le sens que le sujet lui donne. C'est ce qui constitue ce qu'on appelle le savoir et où se détermine le champ de la crédibilité. Voilà donc où se trouve le champ de la crédibilité. C'est à partir de cette mémoire-là, cette mémoire sémantique, que nous affirmons « je sais ». Ou alors « je crois », mais « je crois » dans le sens « je sais ». Une autre forme de mémoire déclarative s'appelle la mémoire épisodique, car elle contient des événements datés dans le temps en rapport avec une expérience vécue. C'est à partir de cette expérience personnelle que je peux dire « je me souviens ». C'est souvent de cette mémoire d'ailleurs dont on parle. Bien, maintenant quand je dis « je crois »,
je sais, j'affirme une vérité. Et il va donc falloir nous affronter à la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Disait Pilate. La vérité est bien sûr son pendant, le doute. La première connaissance étant liée au monde matériel par la sensibilité, il est évident que le cerveau humain procède par l'acquisition de connaissances en adéquation avec le réel. Cet objet que je touche existe bien. Les cloches de Notre-Dame que nous entendons sonner, ou plutôt que nous entendrons sonner dans quelque temps, le 23 mars, je crois, eh bien, elles existent bien. Elles existent d'autant plus que je les ai vues ici en enfilade dans cette nef. Donc, voilà. Le chant du rossignol, quand je vais sortir tout à l'heure dans les arbres de Paris, eh bien, il existe bien. Je le perçois et il est réel. Mon intelligence entre en relation avec une réalité extérieure. Ce qu'on appelle ordinairement la vérité est cette adéquation au réel. Le travail de l'intelligence qui va mettre en œuvre le raisonnement va continuer de rechercher la vérité sur cet objet dans ce qu'on appelle l'argumentation logique. L'intelligence, qui perçoit directement l'être dans sa dimension universelle, est limitée, limitée par son mode de connaissance expérimentale. Elle ne peut pas connaître en un seul instant toutes les réalités qui l'entourent. Et voilà pourquoi on l'appelle discursive. Ça veut dire trois choses. Ça veut dire qu'elle est partielle, tout n'est pas saisi immédiatement. Qu'elle est successive, les différents moyens de connaissance se complètent sans se superposer. Et enfin, progressive, il y a une croissance dans l'acquisition des connaissances. Ce n'est pas à l'école maternelle que j'ai appris le calcul intégral. Vous non plus sans doute. Elle ne peut donc pas embrasser immédiatement la totalité de la réalité. Et maintenant, qu'est-ce qui peut me donner une certitude? Parce que c'est bien cela dont il s'agit. Je vais prendre comme exemple une méthode eh bien, qui est universellement reconnue. C'est la méthode scientifique. Elle jouit d'un grand crédit, à juste titre, car elle s'appuie sur l'observation, c'est-à-dire là, la sensibilité, l'interprétation, c'est-à-dire la formation de lois et l'élaboration de théories, là, c'est le raisonnement logique, et l'évidence expérimentale. Ainsi, une théorie scientifique va s'élaborer à condition que l'observation et les mesures soient reproductibles et confirmées par d'autres chercheurs qui utilisent des instruments et des techniques différents. Dans le domaine physique, par exemple, il s'agit toujours d'explorer la matière. Ce que nous connaissons alors dépend d'une quantité, qu'elle soit sous la forme de la masse, de l'espace ou du temps. Et la grande question qui se pose à la science, comme d'ailleurs à toute forme de connaissance, la science qui recherche la vérité peut-elle dire le vrai absolu? À la fin du XIXe siècle, la physique de Newton a été considérée comme vraie. L'idée que la vérité absolue était sur le point d'être atteinte par les méthodes scientifiques était clairement exprimée par le savant Simon de Laplace au début du XVIIIe siècle, dans cette phrase célèbre quand il affirmait à Napoléon Bonaparte que le déterminisme scientifique permettrait de se passer de l'hypothèse de Dieu. Pétri de l'esprit des Lumières, la science déterministe du XIXe siècle réservait à l'ignorance la foi en Dieu et la superstition logée dans le même sac, dont le rôle finalement servait à combler ce vide que la science ne tarderait pas à faire disparaître rapidement. Beaucoup d'esprits contemporains en sont restés à ces données et affirment que la foi a été reléguée au second plan par la raison et par la science. Aujourd'hui, cette affirmation est remise en cause par la science elle-même. Einstein a montré que le temps et l'espace varient en fonction de la vitesse de l'observateur. La théorie de la gravité de Newton, selon laquelle le temps et l'espace sont universels, n'est plus vraie dès que nous nous déplaçons à des vitesses qui approchent de celles de la lumière. Elle est vraie pour nos déplacements habituels et pour nos calculs, ça suffit largement. Mais elle n'est pas confirmée dans tous les cas.
De la même manière, la physique quantique, grand mystère de la science, la physique quantique nous fait savoir que la position et la vitesse d'une particule de matière ne peuvent pas être mesurées en même temps. Si la précision sur la vitesse augmente, l'incertitude sur la position grandit aussi. Il s'agit d'une caractéristique qui ne vient pas d'une difficulté technique, mais qui est inhérente à la matière. En outre, la même physique quantique a montré que l'observation suppose la participation d'un sujet qui observe. Mais lorsqu'il mesure, l'observateur interagit avec l'objet observé. Toute mesure est accompagnée d'une indétermination qu'exprime la célèbre relation d'incertitude d'Heisenberg. Et voilà pourquoi maintenant, le professeur Jean-François Lambert peut dire « l'incertain apparaît coextensif, sinon du réel, du moins à la connaissance que nous pouvons en avoir ». Nous voyons donc qu'il est impossible de définir une théorie scientifique avec une absolue certitude. Le dogme, qui en science d'ailleurs s'appelle le paradigme, le dogme ne peut pas exister en science. Et là se profile par rapport à cela le doute. Alors si l'incertitude est la règle en physique, il ne faudrait pas, par une position opposée à celle du déterminisme scientifique de Laplace, en conclure que la théorie de la relativité a rendu toute vérité relative. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de vérité? Le relativisme pourrait-il donc s'étendre même aux sciences exactes? Rien n'est-il véritablement crédible? Et c'est alors que peut s'introduire la notion de doute, mais compris comme un soupçon. Pourtant, ces sciences demeurent exactes dans un champ particulier d'observation. Je cite Claude Polo, théologien et physicien des particules, « La physique nous permet d'accéder à un aspect de la vérité, de le connaître dans l'état actuel de la science qui ne sera jamais quelque chose de définitivement établi, mais elle ne nous fait pas tout connaître de la substance matérielle. » C'est aussi la thèse de Bernard d'Espagna, autre physicien, qui affirme que le physicien est tendu vers le réel, mais, c'est le titre d'un de ses livres, que ce réel est voilé. Il y a bien une vérité que le physicien approche de plus en plus par ses théories sans jamais l'enfermer. Une première conclusion s'impose. L'incertitude est une donnée du réel. Elle n'est pas le produit d'une ignorance. Le réel est plus grand que la perception que nous en avons. Dans ce cas, l'hypothèse de l'existence de Dieu n'est pas l'explication d'une carence, d'une ignorance. Mais, bien que rien ne soit démontré ni démontrable, une possibilité envisageable du réel. Mais par rapport à ce que j'ai dit sur la certitude et le doute, il me semble que le questionnement doit être la règle pour faire grandir l'intelligence qui, rappelons-le, chez l'homme, est discursive. C'est ici que la proposition de Noël Coppin prend tout son sens. Si on la rapporte à la connaissance scientifique peut-être, mais à l'ensemble de nos connaissances, le doute comme questionnement et l'absence de certitude permettent de grandir dans la connaissance et donc permettent à l'intelligence humaine de se déployer. Nous devons donc envisager deux formes de doute. Le premier, c'est le questionnement qui fait seulement droit à l'intelligence et à la raison. Le second, c'est le soupçon qui entraîne à rejeter toute forme de crédibilité. Maintenant, qu'est-ce qui va nous pousser à connaître? Qu'est-ce qui va être le moteur de la connaissance? Si maintenant je prends le pendant de la physique, c'est-à-dire le raisonnement logique qui est une autre manière de connaître de l'intelligence humaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Prenons l'exemple des mathématiques. Les mathématiques sont par nature la science de la quantité. Voilà pourquoi elles sont utilisées dans les sciences expérimentales que sont la physique et la biologie.
car comme pour ces deux sciences, elles s'appliquent au réel. C'est la rigueur du raisonnement, qu'on appelle démonstration, qui permet de vérifier la vérité des propositions ou des hypothèses. Cependant, le mathématicien Kurt Gödel a montré qu'il y a des limites à la démonstration mathématique par rapport au réel. Il existe des énoncés vrais qui ne sont pas démontrables. Le théorème de Gödel montre que le pouvoir de la pensée rationnelle n'est pas sans limite. Il existera toujours une limite à notre connaissance. D'où la réflexion de Werner Heisenberg. Je le cite, « Les formules mathématiques ne représentent plus la réalité, mais la connaissance que nous en possédons. » Ce théorème de Gödel est appelé, il est dit, d'incomplétude. Cette incomplétude de la raison logique par rapport à l'ensemble du réel matériel ne fragilise pas nos connaissances, mais crée une soif, un désir qui, même s'ils ne peuvent être comblés par une certitude logique qui capturerait le réel existant, sont à l'origine d'un dynamisme qui pousse l'intelligence humaine à chercher toujours davantage. Et c'est au contraire une très bonne nouvelle. Le désir de connaître la vérité, cette soif, reste le moteur de la raison humaine. Bien, pour l'instant, je n'ai parlé que croire quelque chose. Mais quand je dis « je crois », ce n'est pas seulement quelque chose. Quelquefois, c'est quelqu'un. Croire quelqu'un. Croire en quelqu'un. Cela s'appelle la confiance. Parce que s'il en est ainsi du monde matériel, qu'en est-il alors du monde immatériel que perçoit la pensée et qui est le fondement de toute relation interpersonnelle? Que sont la tendresse, l'amitié, l'amour, la joie, la liberté, la finalité, la vie, toutes choses qui ne sont pas objectivement appréhendées par la méthode scientifique? Elles ne peuvent pas s'appuyer sur des données matérielles accessibles à la mise en équation. Certes, elles sont objectivables par leurs conséquences, des gestes, l'expression d'un visage, la manière d'agir. Elles ne peuvent pas se prouver. En revanche, elles s'éprouvent. Ce domaine subjectif est exploré par les sciences humaines qui n'accède qu'aux conséquences objectives de ce qui est ressenti subjectivement par le sujet. Par exemple, prenons un exemple concret. L'imagerie médicale montre le cerveau en train de fonctionner, mais il ne nous donne aucun renseignement sur ce que pense l'individu observé. Il nous faut recueillir son témoignage sur ce qu'il est en train de penser. C'est ce qu'affirme le neurophysiologiste Benjamin Libette, et je le cite, « Même une connaissance complète de la représentation neuronale ne saurait, sans être validée par le témoignage du sujet, nous dire quelle sensation est en train d'être subjectivement vécue. » Certes, quand il fait un geste, quand il pense, quand il parle, on définit les aires de fonctionnement. Mais nous ne pouvons pas dire, s'il ne le dit pas lui-même, ce qu'il est en train de ressentir. Autrement dit, cela nous amène à une autre forme de crédibilité, c'est le témoignage. Comme pour des faits dont nous n'avons pas été témoins nous-mêmes, c'est par le témoignage d'autrui que nous pouvons connaître ce qui est subjectivement ressenti ou connu par cet autre. Mon ignorance, qui est grande, je le sais, doit s'appuyer sur une confiance qui donne une crédibilité à celui qui témoigne ou qui me transmet un savoir que je n'ai pas. Quand j'étais élève, j'ai cru mes professeurs d'histoire et de mathématiques parce qu'ils avaient l'autorité que leur confère leur diplôme et puisque moi-même, surtout, j'étais incapable alors d'établir la démonstration du théorème ou de vérifier les données historiques dont il était question. De la même façon, c'est par un témoignage
que l'on innocente ou que l'on condamne un accusé. Comment s'assurer que ce témoignage est crédible? Qu'est-ce qui va permettre de prêter foi à ces affirmations qui sont si lourdes de conséquences? On peut essayer d'optimiser ce témoignage. Par exemple, dans la Bible, pour assurer une déposition, il convient que deux au moins soient convergentes. Quand nous sortons du champ strictement matériel, nous voyons que la crédibilité s'appuie sur une confiance qui est donnée à quelqu'un, même si par différents moyens, statistiques, observations, sémiologie, qui utilisent les critères de la science, on peut appuyer cette confiance sur des critères plus objectifs. Voilà, et maintenant que j'ai brossé ce tableau de croire quelque chose, de croire quelqu'un, nous voici arrivés à la grande question pour laquelle sans doute je suis ici. Croire Dieu, c'est la question la plus difficile, car par définition, Dieu n'appartient pas au domaine observable. Il est un esprit pur, et par ce fait, il échappe à la matérialité. Les traces de sa présence ne peuvent donc être perçues qu'indirectement. Alors, comment le connaître? On va commencer par croire à Dieu. Quand je dis croire à Dieu, c'est bien sûr croire à l'existence de Dieu. Croire à l'existence de Dieu peut être le résultat d'un raisonnement logique. C'est Voltaire qui, par exemple, en parlant du monde qu'il observait, « Je ne puis croire que cette horloge existe et n'est point d'horloger. » C'est la théorie du grand architecte de l'univers qui s'impose à l'aide de l'intelligence de l'observateur attentif à la cohérence de tout ce qui l'entoure. Einstein, que j'ai déjà cité, de son côté, affirme que la religiosité du savant, et là je le cite, consiste à s'étonner, à s'extasier devant l'harmonie des lois de la nature, dévoilant une intelligence si supérieure que toutes les pensées humaines et toute leur ingéniosité ne peuvent révéler face à elles que leur néant dérisoire. Il y va un peu fort, mais... Le grand astronome contemporain Trinh Dzang Tuan affirme dans son livre « Le cosmos et le lotus » « Je pense que si l'homme est doué de connaissances intellectuelles et capable de déchiffrer le code cosmique, c'est parce que la conscience n'est pas un heureux hasard de l'évolution cosmique. Elle a été programmée dans l'univers, tout comme celui-ci a été réglé de façon extrêmement précise dès sa naissance pour l'apparition de la vie. » Donc, cette citation se trouve dans son livre « Le cosmos et le lotus ». Nous pourrions continuer la liste des grands scientifiques d'aujourd'hui qui envisagent l'existence d'une intelligence créatrice qu'ordinairement on appelle Dieu. Mais dans le même temps et par le même raisonnement logique, nous pourrions avoir toute une pléiade de chercheurs scientifiques qui refusent absolument cette hypothèse. Richard Dawkins ou bien d'autres encore. Et on voit que la recherche de la vérité par le questionnement de l'intelligence qu'emploie la méthode scientifique, la logique formelle ou la réflexion spéculative de la philosophie peut nous conduire à croire en l'existence de celui qui est l'auteur de toute réalité observée et qu'on appelle le créateur ou Dieu, mais de toute façon sans jamais rien nous dire sur ce qu'il est substantiellement. C'est bien le travail que fait ce qu'on appelle la théodicée. Vous savez, c'est tenter une justification rationnelle de la bonté de Dieu à partir de la création. Ça a toujours un peu existé, puisque c'est ce que suggère saint Paul quand il écrit aux Romains pour dire comment Dieu s'est manifesté. Je le cite, c'est dans Romains, chapitre 1, verset 20. « Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence, à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. » Eh bien, nous voyons que croire à l'existence de Dieu n'est pas si évident et que les méthodes habituelles de l'observation, en tous les cas, et du raisonnement logique ne nous permettent pas d'avoir une certitude quant à l'existence de Dieu.
Mais je ne dis pas ici, quand je suis à l'église, je crois à Dieu. Je dis je crois en Dieu. Voyons donc ce que cela veut dire. Dieu étant par nature hors de la réalité matérielle et donc inaccessible à l'observation directe, nous ne pouvons le connaître que s'il nous dit quelque chose de lui-même. Et c'est ce que dans les religions on appelle la révélation. Ce n'est donc pas la connaissance sensible, le savoir, qui va nous permettre d'entrer en relation avec Dieu. Cela n'est possible qu'à partir d'une relation interpersonnelle basée sur la confiance et qu'on appelle la foi. Par la révélation biblique, Dieu a donné une parole par l'intermédiaire de prophètes, d'hommes désignés par lui pour transmettre quelque chose de sa pensée, de sa parole, de son agir, qui ensemble constituent ce qu'on appelle son verbe ou son logos. Il ne s'agit pas seulement de scruter avec l'intelligence discursive pour connaître le crédible. Il faut recevoir un témoignage que nous puissions accueillir comme digne de foi. La Bible nous présente un Dieu qui est intervenu dans l'histoire des hommes et dont les récits sont accueillis en même temps comme parole de Dieu et parole d'homme. Cela signifie que l'Esprit de Dieu s'est communiqué à travers des mots humains, une langue, une culture particulière, une époque singulière. Dans le Concile Vatican II, Dei Verbum 11, je le cite, ceci est expliqué clairement, « Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens pour que, lui-même agissant en eux et par eux, il mise par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir. » L'intelligence peut s'appliquer à comprendre la parole de Dieu de manière scientifique, pour en vérifier la crédibilité et la vérité objective par la connaissance de la langue, du contexte historique et socioculturel. C'est ce que l'on appelle l'exégèse historico-critique. Une fois ce travail accompli, ou même s'il le précède, l'accueil de ce texte comme venant de Dieu va nécessiter un acte de foi. Il faut que je parvienne à pouvoir dire « Je crois que Dieu me parle au travers de cette écriture ». Par sa parole et par le don de la foi, Dieu révèle quelque chose de lui qui nous est inaccessible par la raison, puisque celle-ci ne peut pas s'appliquer sur l'objet divin. La foi consiste à adhérer à ce mystère révélé. C'est pour cela qu'il y a une différence fondamentale entre le fait de croire et la foi. Il y a donc un saut qualitatif entre le fait de croire qui va s'appliquer au plausible et le fait d'avoir la foi qui est un acte personnel d'adhésion et d'accueil d'un don qui nous est fait. C'est là la première étape de l'acte de foi. Oui, mais quand je suis ici, je dis « je crois en Dieu, le Père ». Mais je dis aussi « je crois en Jésus-Christ ». L'Esprit-Saint nous révèle dans le Nouveau Testament comment, je cite encore Dei Verbum de Vatican II, « Dieu a envoyé son Fils, son Verbe éternel, qui éclaire tous les hommes pour qu'il demeura parmi eux et leur fit connaître les secrets de Dieu ». Pareil pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dès son introduction, il nous dit, je le cite, « Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. » C'est donc sur le témoignage de ceux qui l'ont connu, les apôtres et les évangélistes, que se transmet cette bonne nouvelle qui nous fait connaître quelque chose de la substance divine et de son être qui ne nous sont pas accessibles autrement que par une révélation. Ce témoignage est perpétué par l'Église fondée par le Christ sur les apôtres et sur leurs successeurs que sont les évêques. C'est ainsi que s'est transmise jusqu'à nos jours cette révélation par l'Écriture portée par la tradition.
La foi consiste à croire en Jésus-Christ qui est la parole ultime et indépassable de Dieu aux hommes. Mais quand je dis « je crois », je dis aussi « je crois en l'Esprit Saint ». Tout ce que je viens de dire pose la question de notre rapport à la vérité, qui n'est pas seulement un concept qui met notre intelligence en adéquation avec le réel, mais nous fait entrer dans la relation avec Jésus-Christ, qui est l'expression parfaite de Dieu, son Logos, qui s'est présenté lui-même comme le chemin, la vérité et la vie. Il le dit à Pilate, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». En nous révélant que Dieu est amour et qu'il donne la vie, il nous demande d'entrer dans ce projet de Dieu par une adhésion du cœur en aimant et de l'intelligence par un acte de la liberté. C'est cet acte d'adhésion à la parole de Dieu par l'amour et par l'intelligence qui se déploie dans la liberté qui s'offre à nous en la personne de Jésus que l'on appelle la foi. Et c'est pour cela que la foi n'est pas seulement un acte de l'intelligence discursive de l'homme, c'est une réponse d'amour à l'amour antécédent de Dieu. Or, cet amour de Dieu n'est pas un sentiment. Il est substantiellement divin en la personne de l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Le pape Benoît XVI nous le rappelle dans son encyclique « L'amour dans la vérité » au numéro 31. Le savoir n'est jamais seulement l'œuvre de l'intelligence. Le savoir est insuffisant et les conclusions des sciences ne pourront pas à elles seules indiquer le chemin vers le développement intégral de l'homme. Il y a l'amour riche d'intelligence et l'intelligence pleine d'amour. Maintenant que nous avons défini les différents termes que nous nous proposions d'explorer, il nous faut en voir les articulations. La foi est le crédible. Les faits qui sont rapportés nous obligent à envisager l'articulation entre le vrai et le vraisemblable. Le vrai est-il toujours vraisemblable? Et le vraisemblable est-il toujours vrai? Une vierge qui enfante, un mort qui ressuscite, un Dieu qui prend la condition humaine tout en restant Dieu, tout ceci n'est pas vraisemblable, rationnel, c'est-à-dire accessible à la raison humaine qui connaît à partir de l'expérience et de l'observation. Dans l'exemple des jeunes confirmants qui me posent la question du doute, il est clair qu'il s'agit d'abord pour eux de questionnements. Sortis de l'enfance, où ils croyaient avec ferveur, la confrontation avec le monde les amène à se poser des questions. Il est évident qu'il ne s'agit pas de doute, mais de l'exercice normal de leur intelligence. Je réponds volontiers qu'ils ont raison de se poser des questions, qu'ils doivent chercher toujours la réponse, en ne s'arrêtant jamais à celle qui serait trop simple ou qui pourrait les satisfaire jusqu'à la fin de leur jour. De la même manière que nous avons vu que la méthode scientifique ne peut pas enfermer le réel, le mystère de Dieu est trop grand pour que l'on l'enferme dans la certitude étriquée d'une intelligence humaine qui doit toujours s'approfondir. Et maintenant, l'articulation entre la foi et le doute. La foi est donc l'acte d'adhésion dans la liberté au don que Dieu nous fait dans son Fils. C'est l'amour et la confiance qui nourrissent cette relation. C'est la perte de confiance en Dieu qui, en religion, s'appelle le doute. Le doute et la perte de confiance conduisent au soupçon. C'est bien ce qui est décrit dans le commencement du livre de la Genèse. L'humanité, homme et femme, se sépare de Dieu quand le soupçon a pénétré dans leur cœur. Un autre exemple scripturaire intéressant est donné dans l'évangile de Saint-Luc. Au début de cet évangile, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, apprenant par l'ange Gabriel qu'il allait avoir un enfant de sa femme stérile, alors que lui-même était déjà vieux, demande une certitude capable de toucher sa raison humaine. « Comment vais-je le reconnaître ?» Les mots en grec sont très forts. Il ne demande pas une intelligence de la foi, il met en doute la parole de l'ange.
étant incapable de dépasser la logique humaine dans laquelle il enferme Dieu. En revanche, quand le même ange annonce à Marie qu'elle va devenir la mère du Fils de Dieu, celle-ci pose une question qui fait droit à son intelligence, sans remettre en cause l'effectivité de cette parole de Dieu. Elle dit « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle ne doute pas que cela puisse se faire. Elle pose la question du comment pour comprendre la manière dont Dieu va agir. À la réponse de l'ange, qui ne donne pas une explication naturelle accessible à la raison, c'est le moins qu'on puisse dire, elle pose un acte de foi. Voici la servante du Seigneur. La foi nous donne de comprendre la volonté divine, donner sa confiance à Dieu en réponse au don de la foi qu'il nous fait, permet de croire. Dans les moments obscurs, Marie méditera toutes ces choses dans son cœur. Et nous croyons que cette méditation de la Vierge est l'expression de l'intelligence humaine qui s'exerce après avoir accueilli la foi et répondu par une confiance totale en la volonté bienveillante et aimante de Dieu. Dans le domaine spirituel, la foi précède la raison. Et pour conclure, je dirais que la foi est donnée en plénitude par Dieu et elle doit être accueillie en plénitude par l'homme. À lui ensuite d'y appliquer son intelligence et sa raison pour que son esprit participe à la joie que la communication divine donne à l'homme quand elle devient une communion dans l'amour. L'incertitude logique de la raison humaine et l'incomplétude structurelle de la connaissance du réel rejoignent l'expérience spirituelle de la foi qui ne peut pas posséder Dieu et l'enfermer dans une connaissance limitée. Le désir creusé par la soif de connaître et qui ne peut jamais être comblé par la seule démarche de la raison est suscité par celui dont l'esprit rejoint notre esprit en nous faisant entrer dans un acte de foi. Celui-ci est l'accueil libre du don de Dieu qui nous établit dans une relation qui éclaire, illumine et comble ce qui manque à l'intelligence humaine pour connaître le tout. La vérité n'est pas un concept abstrait, saisissable entièrement par l'esprit humain. Pour connaître cette vérité, il faut entrer en relation avec quelqu'un, c'est-à-dire naître avec cette personne. Connaître, c'est bien ce que cela veut dire. Nous croyons que cette personne, c'est le Christ, le Verbe divin, l'expression parfaite de Dieu qui embrasse l'ensemble du réel, visible et invisible. Il nous fait connaître la vérité originelle et ultime. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est la relation d'amour et de confiance à cette personne qui nous permet d'entrer dans le champ nouveau d'une connaissance qui dépasse la simple objectivation du monde matériel observable marqué d'incomplétude. Par le don de l'esprit, il ouvre notre raison humaine à l'intelligence des choses divines et nous fait communier à celui qui est Père, et qui n'est accessible que par la communion dans l'amour qu'est la Sainte Trinité. Dieu au-dessus de nous, le Père. Dieu avec nous, le Fils uni à l'humanité dans l'incarnation du Verbe. Et Dieu en nous, par le don de l'Esprit. Je vous remercie.
Seigneur Jésus, en ton Eucharistie, nous voilà soumis à nos sens, soumis à notre perception, toute cette forme humble et tellement expressive, dans cette apparence déroutante et tellement puissante. Pour qui passe seulement, il n'y a là qu'un morceau de pain. Pour le regard éclairé par la foi, c'est ton acte d'aimer le Père et d'aimer les hommes, d'aimer le Père dans l'obéissance la plus exacte, et d'aimer les hommes dans la livraison la plus totale. Pour le goût, pour la vue, pour le toucher de qui passe, un peu de nourriture insignifiante, mais pour celui dont tu as ouvert les yeux, pour les sens renouvelés par la foi, c'est la signification même de toute chose qui nous est donnée, de tous les êtres qui nous est indiqué et du fait même d'exister. Apprends-nous à te regarder, Seigneur, dans cette apparence, que notre regard se laisse éduquer par ce mode de présence que tu as voulu. Donne-nous, Seigneur, de patienter en te contemplant, comme toi-même te laisses regarder par nous, avec nos peurs, avec nos incompréhensions, avec nos doutes, avec nos exigences, avec notre désir aussi, Seigneur, d'être aimé et d'aimer à notre tour. Seigneur, dans cette Eucharistie, nous te regardons et nous te laissons venir à nous.
te confions, Seigneur, ceux qui s'interrogent, que se lèvent dans ton Église des docteurs capables, par ta grâce, de renouveler les intelligences, de guérir les blessures de cette intelligence, d'ouvrir l'intelligence aux réalités plus grandes qu'elle doit recevoir. Nous te confions ceux qui sont rongés par le doute, mais sur leur route, Seigneur, des témoins sur qui ils puissent s'appuyer. Donne-leur l'humilité de recevoir les appuis que tu as préparés pour eux. Donne-leur d'être entourés par des croyants capables de les aimer. Nous te confions, Seigneur, ceux qui sont par ta grâce dans la nuit de la foi. Donne-leur, Seigneur, d'être entourés beaucoup plus qu'ils ne peuvent le savoir. Donne-leur d'avoir confiance qu'ils sont portés plus qu'ils ne le sentent et qu'ils donnent du fruit qu'ils ne connaissent pas encore. Que ton Église soit pour tous ceux qui te cherchent comme un manteau protecteur, comme une mère qui les soutient, qui les rassure, qui les engendre aussi. Seigneur, que dans les cœurs blessés, ta lumière puisse passer à flot et atteindre ceux que tu désires rencontrer. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Tum ergo sacramentum. Venere mortem lui, et anticum dolcomentum, noce acritui. Restet fides supplementum.
déjà